Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue dans l'ombre de la guerre, face à la forteresse du grand, de l'unique, de l'invincible, Arbeka. Orthog. Il y a même Orthog, le clairvoyant, qui est en train d'être assis comme un Roumain devant le feu de camp du feu intérieur. C'est cool. La forteresse de Arbeka le dragon, qui est complètement stylée, hein, qui est mystique avec des crânes de partout. Ça va les mecs? Ça patrouille? Oh bah oui, ça patrouille, ben ils ont l'air plutôt heureux. Et aujourd'hui, on va avancer dans l'histoire en faisant la mission principale et en défendant la forteresse. Et... Eh ben, retourne au travail. Allez. Non mais voilà. Et voilà, il retourne bosser, merci, excusez-moi. Du coup, pour ça, il faut que j'apprenne une aptitude, l'aptitude domination de l'ombre. On va le faire parce qu'on a plein de points, faut quand même pas déconner. C'est quoi domination de l'ombre? Spectre mortel, drainage spirituel, présence différent, frappe de l'ombre, tir de l'ombre, domination de l'ombre, c'est quoi ça? Chaîne d'ombre, domination de l'ombre. Ah, il faut que je termine les 4 Deltariel, donc malheureusement je ne peux pas le faire. Vise un ennemi puis se relever pour instantanément et le dominer. Ça a l'air pas mal du tout ça, ça a l'air très sexy. D'ailleurs on va apprendre le tir puissant et conséquentiellement la frappe de l'ombre, enfin. Voilà, consomme des tirs d'elfes. Avec la téléportation, attire un ennemi visé à vous, le tue ou l'étourdit. D'accord, c'est pas mal. Voilà, ça y est, j'ai rajouté mes points un peu partout. J'ai pris les skills qui me paraissaient les plus évidents. Je garde 5 points en réserve parce qu'un jour, j'aurai bien des trucs à débloquer de partout, notamment là, avec les missions, sans vital. C'est quoi ça? Enrager les capitaines alliés, c'est pas mal ça. Nid d'aigle, des trucs comme ça. Donc je vais garder mes points. Après tout, j'ai pas plus d'amélioration à prendre de ce côté-là. Et du coup, on ne peut pas faire la quête Delta. Enfin, on ne peut pas faire cette quête-là parce que je n'ai pas encore la capacité Deltariel qui est ouverte. Par contre, ce que l'on peut faire, chers amis, ce que l'on peut faire, c'est améliorer la forteresse qui est déjà à fond. Ouais, c'est bon, on a fait tout ça. Et je peux même améliorer avec des bonus. Un gros guerrier défend votre forteresse. Les porcs sont gardés par des drakes en cage. Oh, une meute de terrible Karagor. Et Drake en cage, moi je trouve ça très classe. Hein. Je trouve ça très classe. Un grand gain. Ouais, c'est pas mal ça, allez. On l'achète. L'armée en défense utilise des bêtes de siège. Bêtes de siège toxiques. Bêtes de siège ardentes. Et bêtes de siège maudites, d'accord. Moi, ardente, si c'est la forteresse de Arbeka le dragon, faut que ce soit cohérent. Armée de chasseurs. Armée de défenseurs. Armée de sauvages, qui bien évidemment sont les plus efficaces. Jet de feu, des flammes sortent de la muraille de Arbeka. Porte extérieure, jet de poison. Peu recommandé pour une forteresse en bois, on s'en fout. Muraille de pierre renforcée et muraille de métal. D'accord, c'est ça qu'il faut en fait. Muraille peut résister à d'immenses dégâts, 7500. Oh là là. J'imagine qu'il n'y a qu'une amélioration possible par lieu, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Tu peux pas avoir la totale, tu peux pas avoir genre les drakes et les Karagor guerriers. Faisons le test, je vais perdre 950, mais c'est pas grave, c'est juste un hologue mort. Ouais, voilà, vous voyez. Voilà, bon, bah, tant pis, c'est pas très grave. Donc voilà, de mon côté, groupe d'attaque. Mais non, mais j'ai pas besoin de groupe d'attaque, retirez-moi ça. Voilà, c'est très bien ça. Voilà, mais je mène pas de siège, moi, ici, là. Je défends avec Arbeka le dragon, qui, bien sûr, défend l'endroit d'une main de fer. Excellent. Ouh là là. Les portes en acier, les renforcements qui sont visibles, les flammes qui sont présentes. On va donc... Oh, merde, alors, ouvrez la porte. Merde, ils ouvrent pas la porte, les connards. C'est pas grave. Voilà. Tout va bien. Tac. Là, il y a une de nos grandes statuettes qui, bien sûr, remonte le moral de nos troupes. Des zoologues qui sortent de leur faction d'entraînement. Ils ont des quartiers d'habitation. Ils dorment plus dans la boue, dans des tentes. Qu'est-ce qu'on va apprendre à se relever après la mort ? Étranges incantations. Qu'est-ce qu'elles disent ? Rien qui pourra les sauver. Tout à fait. Toi ! À moi ! Parfait. Sauf lui qui a survécu. Flak. Et qui n'en a rien à foutre. Très bien. Attends, il faut qu'on passe ça. Hop. Yop.
Yop là, yop les. Oula oula, ouba ouba hop. Impeccable. Très bien. Équipons-nous en conséquence. On est face à une forteresse bleue avec des personnages très stylés. Il nous faut une armure qui en jette. Une armure qui en jette un peu. Ça en jette pas mal, ça. Hein. Contre rage. Bon, elle n'a pas beaucoup de défense, mais... Quoique marron, ça peut avoir son charisme. Ou blanc et or, comme ça. Hein. Blanc et or, blanc et or. Hein. Blanc et or, ça peut avoir un grand charisme. Il faut juste trouver la cape qui soit assez stylée avec. Petite cape. Attends, fais voir. C'est cette espèce de petite cape bleutée, mais juste assez. Ouh là 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 là, je pense qu'on a notre main. Hein, là, je pense que c'est pas mal. Recruter un orc de niveau 45 ou supérieur. Non, ça, c'est mon épée, d'accord. J'ai une nouvelle épée, voyons voir. Enflammer un ennemi. Coup critique, on presque 40% de chance d'enflammer la cible, ce qui est quand même très impressionnant. Pour ça, il faut en enflammer. Ça va être facile. Cette dague, une illumination furtive à dos de Karagor sur un ennemi. Non merci. Non merci, non merci. Et ça, c'est de la merde. Donc ça c'est très bien, dégâts de coups critiques qui font vachement mal. J'ai un marteau, tue un ennemi avec une argue à longue portée en glissant. Merde alors, ok. Effectue un tir à la tête sur un ennemi, ça c'est facile. Bon. Les tirs à la tête provoquent toujours une explosion de la tête quand le compteur de cours dépasse ça. C'est pas mal ça, avec 20% de chance de récupérer des trucs à distance. C'est pas mal, donc on va faire 5 tirs à la tête à un ennemi. Cette armure, on la garde parce qu'elle est stylée. Cette cape, on la garde parce qu'elle est stylée. Et j'ai un nouvel anneau. Des nouveaux anneaux. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Impeccable. Santé régénérée de 100% supplémentaire, régénérée santé à 120, tir d'elfe, 13% de chance qu'une attaque fasse gagner. Et ça, 50% de dégâts en moins sur les Zoruk alliés, c'est quand même assez pété, il faut l'admettre. Du coup, voilà. Pouf. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a un petit prestige comme ça, là. Oh là 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 là, il est beau. Il est merveilleux, allons-y. Tenez la région de Nurnen, mais pour combien de temps les forces de Sauron se préparent à attaquer votre forteresse? Pour reprendre la zone, défendez-la. Qu'ils y viennent! Je les attends, moi, les pourceaux. Rodeur! T'as des ennuis? Question d'habitude. Laisse le chef tranquille avec tes âneries, sale petit chouineur. Chouineur? Sérieusement, Bruce, ça fait mal! Ah, il a encore plus! Quel est le problème? Quatre côtes brisées, je crois. Mais ce que je voulais te dire avant, c'est que le fort subit une attaque. Sauron sait que tu es là, et la porte de mon tunnel de secours est coincée. Ils mettent nos défenses à l'épreuve. Et nos défenseurs. Bruce, sois prêt à défendre le fort. Oh, ça c'est un travail pour le chef suprême machin chose. Vu que c'est à lui qu'on a donné le poste et pas à moi. Tu vas faire ce qu'on t'ordonne. Allez, chef de lumière, c'était pour rigoler. Tu sais que j'adore éclater des têtes. Je défendrai ce fort comme si c'était le mien. Et moi aussi, je vais le défendre. Je commence par le garde-manger. Voir si rien n'est empoisonné. Soigne-toi, débile, va pas à la baston. Bon, en même temps, s'il a survécu à un coup de la main noire de Sauron ou un coup de la tour... Ça devrait pas lui poser de problème. Par contre, Bruce risque de devenir un problème, mais on s'en débarrassera plus tard. Pour l'instant... Tribu du massacre. Très bien. Zouap ! Tac dans le dos ! C'est moi ton adversaire ! Enchaînement, couteau, parade, parade dans le dos, couteau, il a enragé, eh ben enrage ma grande, ah putain il est anti-saut,
lancer de couteau, double lancer de couteau, triple lancer de couteau, quadruple lancer de couteau, multiple lancer de couteau. Et il s'est adapté au couteau. Ce n'est qu'un sale rôdeur. Trempez vos lames dans son sang. Ça ne suffira pas pour me tuer. Il est adapté à tout. Arrière, minable. Et tu vas où comme ça? Ouli. Ce visuel est absolument sublime. Est-ce que je peux l'avoir sans la profondeur de champ? Oh là 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 là. C'est beau, hein. Cette armure, elle en jette, hein, cette armure quand même. Triompher de la vague suivante. Bon, on va peut-être se battre à l'intérieur de nos murs. Abandonne tout espoir, Vermine. Je suis là pour l'emporter. Moi, je suis là pour emporter ta tête. Ce Grog est à moi. Mais non, mais tape pas le mur. Il attaque le mur, ce con. Et pourquoi le mur il crache pas des flammes? Ah ça y est, ça crache du feu! C'est trop fort! Bon. Suffit! Hop. Sur le mur! Soumets-toi à ma volonté. Quoique non, combat à mort. Très bien. Ah, coup de tête. Enragé partout. Et il est mort. Bubol le mange-rêve. Il est mort comme un mange-boule et il me donne un anneau en or et ça c'est qualitatif. Par contre quelqu'un est brisé, j'espère que c'est pas mon... J'espère que c'est pas Arbeka. C'était douloureux à voir. Téléportation. Traque le semeur de mort qui a eu Ushak le couteau. Ils attaquent la porte intérieure. Si ces orques atteignent le donjon, alors c'est là qu'ils mourront. Ça marche. On continue en bourre. Un de mes généraux est hébété, on va tester notre nouveau super pouvoir. Hey, ça marche bien, hein. Ça marche bien, ça marche bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive au palouf? Il y a un paladin, il est vénère. D'ailleurs, il est classe, j'aimerais bien récupérer. Attaque aérienne. Belle parade de sa part, il me reste encore des tirs magiques qui me permet de faire des mises à mort instantanées. Ce qui est quand même assez confort, il faut l'avouer. Et voilà. Soumets-toi, incline-toi, je suis ton nouveau dieu. Pas toi pour la lumière. Je suis ton élu, seigneur, seigneur. Fou. Ben, j'ai envie de te dire barre en retraite, mais non, reste battre. Je te battrai jusqu'à la mort pour toi. Parce qu'il est très classe cet hologue. J'aime beaucoup ce charisme. Qu'est-ce qui lui arrive? Il enrage. En tout cas, ils enragent sur le mur, hein. Ils savent pas faire grand chose. Ah, c'est lui qui a lancé l'attaque. Eh, hey, salut. Oula, 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 oula. Olé. Oula. Ma corde sonne pour invoquer ta ruine. Entends l'annonce de ta mort. Pendant une seconde, j'ai lu hurle à su le gland. Oh là là, on glissade. Et je n'ai pas de tir d'elfe. Quelle tristesse. De se retrouver à court. Ma revanche peut être finie.
attention. Oula, 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 oula. Voilà, cède à l'amour. Cède à la lumière. Je suis à toi, Seigneur, Seigneur. C'est bien. Pas retraite. T'es trop faible. Je m'en vais. C'est bon? Atteignez le donjon. Comment ça, atteignez le donjon? Putain, il me faut des flèches aussi. Si je pouvais en récupérer sur la route, ce serait l'idéal. Ah ah! Parfait. J'ai vu ça, bravo. Je ne sais pas ce que t'as fait, mais en tout cas, ça mérite des bisous. Ouah, téléportation, excusez-moi. Petit récupérage des flèches. Allez, yop. Et boum. Fou, on y est. Enfin. Pas mal du tout. Bon, et eh ben tout va bien. On a maîtrisé la situation, c'était somme toute assez facile. Je crois bien que c'était le dernier. Ouais. Faut nous attendre à une autre attaque. J'espère bien. C'était excellent. Tu t'es bien battu. Je t'ai dit que je défendrais le fort comme si c'était... Et justement, c'est le mien. Judas ! Il faut sauver le soldat Ratbag. Parce que nous, bon bah tout va bien. On a mal, ça fait mal, c'est chiant, ça fait chier. Région perdue, Nani. Personnellement, je ne sais pas. Votez sur le chat. Je le brise ou je le tue? J'ai très envie de le tuer, personnellement. Trahison! Nous reprendrons notre forteresse. Nous massacrerons ce maudit Olog et tous ceux qui le suivent. Qu'en est-il de ceux qui nous suivent? Il est clair qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Tous ceux qui résistent serviront d'exemple. Pour toi. Je suis d'accord. Bon, il est temps de se venger. Alors tout le monde me dit brise-le. Très bien. Très bien, très bien. En tout cas, il n'a plus ses généraux. Les généraux qui étaient fidèles à Arbeka le dragon, qui est là maintenant. Arbeka. Son ordre. Armée. Du coup, il faut que je me refasse une force d'invasion. Putain, c'est honteux. Mené par Arbeka le dragon. Mené par Asrans le héros. Mené par Urlasu le grand. Attends, une seconde, traque le semeur de mort, croche des araignées, Urglas le gland, Lugal la lame de mort, Brocol le vrai de... Croche des araignées! Je peux l'acheter ça? Ouais, c'est bon, je peux. Et il est où, Roncle la hachette! Et ça, quand serait level 45. Ok, très bien. Et en face, il n'y a rien du tout. Je veux une unité d'Ologai avec le meneur d'attaque. Hein. Quoique des sapeurs, c'est quoi les sapeurs? Non, d'accord, on se fait péter. Une armée de sauvages, des bêtes de siège ardentes, bêtes de siège toxiques, bêtes de siège maudites, bêtes de siège ardentes, bien sûr. Le feu, les enfants. Un Drake sauvage. J'achète des archers pyromanes. Très bien. Ils vont comprendre ce que c'est que
que d'éveiller la colère du dragon. Ça ne se fait pas. Oh le mec. Ça ne se fait pas. C'est foutrement inacceptable. Où est la mission? Bruce s'embarrasse d'un peu trop. Faites-le redescendre sur Terre. Très bien. Bruce nous reverra bientôt. Par contre, pour ça, il nous faut l'armure qui va avec. Parce qu'on avait l'armure du maître, mais on a perdu la zone. C'est quoi cette armure? Fais voir. Oh! Armure de Rovanion. Exécuter un capitaine. Elle est stylée, cette armure de cuir. L'armure déchue. L'armure d'un homme puni par sa propre patrie. L'armure du centurion maudit. Par contre, ça a l'air d'être bleu. Hein, ouais, donc il me faut du... J'essaie de trouver des armures un peu moches, mais exprès, tu vois. Et j'ai un nouvel anneau, au fait. Les Uruks subissent 50% de dégâts de moins, et c'est le même. C'est le même, il est juste un peu meilleur que mon anneau. C'est exactement le même que je porte, mais en un poil mieux. Écoute. Ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Est-ce que j'ai un meilleur arc? Effectue un tir à la tête. Je l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse. Effectue un tir à la tête sur les ennemis empoisonnés, j'en ai pas besoin. Et une nouvelle épée, c'est de la merde. Et enflammer un ennemi, très bien. Donc 5 tirs à la tête. Nous ne pouvons pas laisser sa trahison impunie. 5 tirs à la tête et enflammer un ennemi. Et effectivement, on ne laissera rien d'impuni. Régler d'elle-même. Olé. Oh là! Ah non, ils ont survécu, ils ont résisté. Ils ont résisté à cause de leur bouclier de merde. Ok, là par contre c'est pas mal. Oula! Voilà! L'épée est améliorée et l'arc aussi, c'est bien. Épée de flamme. Et voilà. Et enfin, il me faudrait l'arc... un ennemi. Tu as un ennemi avec une arme à longue portée en glissant. Ça, c'est tellement sexy. On le fera au fur et à mesure de l'histoire. Très bien. Et là, pour l'instant, je suis le centurion. J'aime bien comme il est habillé, comme avec la vieille armure toute pourrie. Ça lui va tellement bien. Il y a un Caragor. Faisons la mission, allez-y. Voilà. Bruce paiera pour sa trahison. Ça servira d'avertissement pour ceux qui oseront le suivre. Allons-y. Vengeons-nous. Trahison, disgrâce, honte. Rodeur! Et y a un souci, Bruce a conquis ta forteresse. C'est ce que j'ai cru comprendre quand il m'a embroché par derrière. Par derrière, du dos jusqu'au ventre. Il t'a vraiment saigné comme... Pardon. Enfin, voilà. Les autres orques savent que tu as eu Bruce avec ton... Souffre-moi. Et qu'il s'est libéré. Ce qui a fait forte impression, tu peux me croire. Les orques veulent tous être ses partisans. Bon. J'ai pas à te dire comment mener ta barque, mais il faut en finir avec lui immédiatement. Et t'as un sauvetage qui t'attend. Un sauvetage? Ouais, il a fait un paquet de prisonniers. Rodeur. Dans le tas, il y a ton chef suprême, il me semble. Tu vas pas le lâcher. Où ça? Par là. Mais sérieusement, on aurait dit que t'étais une brochette. Silence! Il y a trois prisonniers. Entre et fais ce que t'as à faire. Moi, je reste là pour explorer la zone. Je suis un très bon éclaireur. Les éclaireurs passent devant. Et ils meurent. C'est pour ça que je suis si bon. Bon, c'est parti. Commençons l'exploration. Alors... J'aurais bien aimé qu'on chope ce ratpack. Je rêve de lui arracher les traits. Comment je vais faire? Quelque chose.
Marteau plus triple mise à mort. Et du coup, libération du premier larbin. Allez. Quoi ? Merci, chef. Maintenant, parle aux vengeances. Après. Si tu veux mon avis. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a deux autres prisonniers. Oui, tu as dit trois et nous en avons un. Je sais compter. Oh ! Eh ben, ça devrait être utile. Tu attends 30, 40 ans. Et quand tu en sors, ils sont tous morts. Malin, non ? Comment je vais faire ? Ah oui, mais je suis bête ! Je peux les enchaîner ! Mais oui ! Je peux les enchaîner avec la magie noire ! Oh là 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 ! Le Lennon qui met à bien ! Ah merde ! Tu ne m'arrêteras pas ! Je vais exécuter ce prisonnier comme on me l'a ordonné ! Mais devine ce que je vais faire d'abord. Boum ! D'abord, ton Caragor va mourir. Ensuite... Oula ! Je peux équiper personne sans vous déranger. Oula ! 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 Et enfin, on va tester la capacité du tir puissant pour le plaisir. J'ai raté mon tir puissant. C'est pas grave. Donc on testera plus tard. Allez. Détache-moi ! On va s'apprendre à ces abrutis ensemble ! Tac ! Et voilà ! Couteau de cuisine. Couteau de cuisine. J'avoue que je me sers de temps en temps du couteau, chers amis. Donc on va profiter de l'occasion pour s'octroyer un petit point supplémentaire en lancer de couteau. Voilà, le triple couteau du plaisir. Allons-y. C'est pas mal, ça. Ok, on va essayer de le libérer sans faire bugger la texture. Vous êtes prêts? Attention. Oh là là, c'est raté. Je lui ai scié le fion en deux. C'est pas gentil. Moi devant, il y a le dernier. Et... Oui, je sais. Personne qui a de la valeur. Je n'aime pas ça. Champnog. Hop, on va en profiter pour faire les fameux tirs à la tête. Oh, quel dommage, tu peux en faire qu'un, quoi, si tu vises bien. Voilà, c'est bien. Merci. Bon, on va tenter de le libérer sans faire bugger l'animation. C'est un défi en lui-même. C'est un défi en lui-même, je vous prie de me croire. Je crois que les gens réalisent pas le boulot que ça va. Comme ça, regarde. Je fais non. Merci quand même. Bon. C'est pas très grave. Bon. Alors ça, c'est fait. Tu peux t'en retourner jouer à la guerre et... Oh, tiens donc. Nous n'avons pas terminé. Bruce. Oui, Bruce. Dans sa forteresse. Ou ta forteresse. Elle en aura vu passer du monde. Oh, quand sa beauté était mienne. Il y a des courants d'air, c'est vrai, mais quelle vue, je te dis pas. J'ai ajouté des tas d'améliorations. Comme ton tunnel. Ouais, j'avais un tunnel de secours, une bonne idée, je pense. C'était drôlement pratique pour s'enfuir, au cas où. Nous allons l'emprunter. Bah, on est déjà dehors. Pour revenir dans l'enceinte du fort. Ah, ouais. Où est ton tunnel ? Par là! Enfin, je crois. Quelque part, Ratbag, il mérite quand même. Il mérite d'être aux côtés de Arbeka le dragon. C'est l'heure du duel! Reprenons ce qui nous revient de droit. Et on passe par la porte d'entrée en plus, tu me Bienvenue, chef. C'était quoi le plan?
les amener pour qu'ils puissent se venger. Et tu trimbales cette petite chratte de ratbag. Ben, tu sais quoi? J'ai des potes aussi, moi. Mais on a de quoi faire une vraie fête, ça m'a donné, hein. Enfin, boire du grog, jouer à quelques jeux marrants comme... arracher les bras du rôdeur. Tous sur moi. Ouais, tous sur moi. Ouch. Bon. Organisons-nous. J'ai la rage elfique. Oh, avec le poison. Oh là là là, il lui a fait boire la lotion. Je ne sais pas qui tu es, mais tire-toi! Oh, quoique non, combat à mort. T'apprendras, tiens. Purifié. En tout cas, Bruce va mourir très vite. Il faut que je sois... Faut que je sois prêt à m'en charger. Je t'ai déjà tué, Rodeur. Oh là 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 là, pendu, tandis que mes gars. Oh là 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 là, ce meurtre rituel. Croche qui me fait plaisir. Merde, par contre, attends, y'en a, il saigne. Debout. L'autre qui est enragé, qui arrête pas de le pousser. Magnifique prise au choc de la part de Scorp, qui encore une fois va... Quel louche rat, quel rondeur. C'est pas ce que j'avais prévu. Ça, je peux te le garantir. Où est-ce qu'il est? Nous allons le retrouver et nous servir de lui pour montrer au Mordor ce qui arrive aux ennemis. Tu es à moi! Excuse-moi, j'interromps mon monologue juste pour abaisser ce minable. Quoique non, combat à mort. On va faire un exemple de tous ces traîtres. Il est mort. Je suis vermine! C'est bien. Bon, il a fui comme un lâche. On va le retrouver, on va l'exécuter. Cette forteresse est à nouveau sous mon commandement. Une tentative de rébellion a été matée. Les conspirateurs ont été exécutés. Leur chef subira bientôt le même sort. Vous gardez cette forteresse pour le Seigneur de Lumière. Ici, mes ennemis ne trouveront pas de faiblesse, ni de pitié. Rien que la force incroyable de mon armée. Le lip-sync qui était aux fraises quand même. Eh ben putain, ça m'aura pris quand même vachement plus de temps. Région conquise, reconquise, s'il vous plaît. Moi j'aime bien les mecs qui habitent dans la région juste au-dessus qui sont absolument pas au courant de ça. Nommé chef suprême. Arbeka, tu es fier, tu es fort. Et je te respecte après tout ce temps. Cependant, même toi Arbeka, le dragon qui a repris son titre, est obligé de t'incliner. De t'incliner devant la force de Croche des araignées. Qui
a prouvé sa valeur. Maintes fois. Et avec moult plaisir. Level 35. Il y a deux nouvelles quêtes qui sont apparues. Donc une quête des orques du tribu, mais je m'en fous. Disparu. Ratbag veut vous voir. Oui, oui, on va aller le voir parce qu'il est absolument hors de question que ce minable... Enfin, que ce minable de brouze... Monument. Putain, mais il y a plein de monuments en fait. Il faut que je les détruise. Oh, j'ai pas fait gaffe. Waouh. Ah, olé. Oh. Hop. Non, attends. Non, mais monte. Mais monte, connard. Mais... Bon. Voilà. Est-ce que je viens me casser maintenant? Super. On y arrive. Je sens leur magie s'affaiblir. Tant mieux. J'aime comme il reste deux archers adverses sur les remparts. Hop hop hop. Deuxième sauce. Yop. Allez monte. Non mais... Non mais le codage du jeu, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Boum. Deuxième sauce. Avec un caillou. Ah ah, il y en a, il est vexé. On sprint. On glisse, on vise. Boum. Boum. Ça ne les a pas tués. Pourtant, il faut que je réussisse à buter des orques avec cette technique. Peut-être que ça ne marche que sur les ennemis. Pour l'instant, eux, ça ne fait que les stun. Ah, ils ouvrent les portes. Voilà la politesse. Merci. Ce ne sont pas des ennemis. On n'est pas arrivé. Là-bas sont des esclaves. Là-bas sont des ennemis. Peut-être que je peux... réussir une glissade à peu près réussie. Tac, 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 tac. Glissade. Boum. Boum. Et attention, petit combo. Hourra. Parfait. Du coup, est-ce que j'ai gagné le marteau en faisant mes mouvements complètement stylés et absurdes? Oui, je l'ai gagné. Super, j'ai un gros marteau maintenant. Je peux améliorer mon armure de centurion. Qui devient une armure bleu ciel, très stylée. Avec des gros morceaux d'acier et tout. Non mais c'est classe, hein. C'est classe cette armure. Brise trône. Du coup, il faut que je mette une cape qui colle. Une cape un peu froufrou, un peu moumoute. J'ai une cape un peu moumouteuse. Ouais, ça peut faire le taf, hein. Bon, c'est de la merde, mais... Fais voir. Ouais, si, ça fait le taf. Voilà. Bon, je suis équipé pour la neige, mais... Voilà, il faut mourir, maintenant. Mais il faut mourir. Non, mais je vais pas perdre mon temps avec vous, les enfants, s'il vous plaît. Respectez-vous, respectons-nous, respectez-moi. D'ailleurs, à ce propos, petite téléportation. Je peux revenir au départ, puis aller bourrer sur la gauche et aller directement... Voilà, ici. Très bien, téléportation. Bon. On dirait que Ratbag a besoin de nous. Écoute-le, mais ne le laisse pas te détourner de notre mission. Oh bah, pour l'instant, sa mission a l'air d'être similaire à la mienne. Il veut sauver Rodeur. Enfin, Rodeur. Vous avez compris? À moi. À moi, merci beaucoup. Ouch. Voilà. Allons-y. Super. Alors apparemment, tout le chat me spamme de remettre mon armée sur les forteresses au cas où. Donc on va faire ça. Arbeka. Arbeka, tu deviendras premier général.
la première générale. C'est très bien. Il est où ? Sklog le bouclier brisé, non. Flak l'empoisonneur, non. Tugol l'effrayeur, non. Kuga le piqueur, Ronk la hachette. Tu as gagné ta place. Voilà. Il a été promu chef vénère. Bordugue le creveur d'yeux, Trac le sort de mort. Je ne sais plus qui étaient ces gens, mais écoute, on va les mettre. Bon, en tout cas, ils ont l'air très vénères, donc écoute, ça fera l'affaire. Et Skog, le bouclier brisé, je ne peux pas lui donner d'ordre, il est en pleine mission. Je crois qu'il y avait Ortog le clairvoyant, hein, si je m'abuse. Ortog. Bon, en tous les cas, c'est pas grave, ils y sont retournés, ils sont bien. Voilà, on peut faire la mission, allons-y. Ce coup-ci, on chope Bruse. Talion ! Radbag a besoin d'aide. J'ai perdu Rodeur. Comment peut-on perdre un Olog ? On l'a enlevé. J'ai trouvé ce messager près de sa gamelle. Y a pas une expression à propos de tuer le messager ? Si. Faut toujours tuer le messager. Ah, ça explique bien des choses. Et qu'est-ce qu'il avait à dire ? Il a dit : si tu veux revoir ton gros toutou vivant, livre-nous l'immortel, ce bouffeur de Shrek. Arrête ça. Oh, pardon. C'est un piège, je ne t'apprends rien. Bien sûr. Mais tu nous le dois, à moi et à Rodeur. Après tout, on a viré Bruce tous les deux. Nous ne devons pas avoir le même souvenir. Bon allez, c'est pas la peine de pinailler. Mais on se bat pour toi, c'est un fait. Qu'est-ce que les gars vont dire si tu défends même pas les autres orques ? Il a raison. La force compte pour eux. Si nous laissons nos soldats se faire attaquer sans réagir, les orques y verront de la faiblesse. Tu n'as peut-être pas tort. Ah ouais ? Julien ! Ah ouais ! Bien sûr ! Amène-toi, on va sauver Rodeur. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on va y aller, on va sauver Rodeur. Alors, allez au point de rendez-vous. Regarde-nous ! On collabore comme au bon vieux temps ! Oula ! Silence ! Tu vas nous faire repérer. Est-ce que tu parles les heures les plus sombres de notre histoire, Radbag ? Je serai toi, je serai prudent. Très bien. Petite possession. Double mouvement, pivot rotatif droit, possession. Oh là 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 là. Mouvement de ballerine. Pétrosexuel. C'est comme la sexualité, mais avec l'essence même de la sexualité. Là, il y a une statue de l'orgie. Est-ce qu'elle compte, cette statue de l'orgie ? Je peux détruire en mission ou pas ? Non, pas en mission, hein. Putain, casse les couilles. Bon. Ninja ! Oh là là ! Ah, le voilà ! Le glorieux seigneur de lumière. Glorieux traître. Je savais bien que ce pleurnichard arriverait à te faire venir. Bruse ! Je vais te montrer, moi, qu'est-ce que t'as fait de Rodeur ? Ferme ton clapet ! Tout ça, c'est entre moi et l'immortel. Alors descends de là ! Qu'on en finisse ! Non, non. Ça, c'est que le début. D'abord, il faut que tu souffres. Ensuite, si un de mes gars vous tue, toi ou ce pleurnichard, alors bon débarras. Quoi qu'il arrive, eh bien, on va s'amuser comme des petits fous, pas vrai ? Mais quel crétin ! Qu'est-ce que vous comprenez pas dans l'immortel ? Apparemment, ça a pas l'air de croustiller, hein. Ça croustille pas dans leur cerveau, hein. Allez. Arrière. Tac. 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 Petite exécution. Au calme. Om nom 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 nom. Boum ! Un
l'archer de buter, on descend. Oh là là là. Oh là 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 là, par contre, le petit flip qui m'a fait faire. T'es libre. Allez, choupé, non. À moi. Ratback qui est là, qui est planqué. Ratback a tout compris à la guerre. Eh, ça mange le. Il est brisé. Voilà. C'est fini. Bruce ! Reviens là, espèce d'immonde tas de frac ! Il est parti. Mais nos routes se recroiseront. Quoi ? Bah j'espère. Tu perds rien pour attendre, péteux ! Écoute-moi. Nous trouverons Rôdeur. Et nous arrêterons Bruce une fois pour toutes. Ouais. Bah pas question que je reste planté là sans rien faire. Je vais fouiller partout dans le Mordor pour lui mettre la main dessus. Et quand je l'aurai... Tu viendras me chercher. Tu seras le premier à le savoir. Fais donc ça. Bruce n'est qu'une entrée en matière. Plus nous aurons de pouvoir, plus nous aurons d'ennemis à nous défier. Alors nous les tuerons. Non, nous devons faire de lui un exemple où d'autres chercheront à prendre sa place. Nous les tuerons jusqu'au dernier. Pourquoi tuer d'innombrables opposants quand il te suffit d'en briser un seul ? Parce que nous sommes là pour gagner une guerre, et non pour faire de la politique. Au Mordor, tout cela revient au même. La taille de ton... La taille de ton public étant liée à la taille de ta massue. Excellent ! On gagne de l'XP, c'est la victoire et... Tant que Bruce restera en vie, les orques continueront à se rallier à sa cause. Arracher des têtes est loin d'être une cause. Mais tu as raison, il faut se débarrasser de lui. Parfaitement. Non seulement il faut se débarrasser de lui, mais en plus, où est la quête qui est liée au fait de se débarrasser de lui ? On ne sait pas où il est ? Est-ce que, sans déconner, ils vont me faire le coup du avancer dans l'histoire principale pour savoir où est cet enfoiré ? Non, ils sont pas cancer comme ça, si ? Disponible à Cirith Ungol. Très bien. Non, parce qu'on va le traquer. Il faut arrêter Bruce. C'est une menace qu'il ne faut pas sous-estimer. On va le traquer, on va le tuer et on va le massacrer, on va l'humilier, on va lui faire souhaiter 1000 morts pour au final ne lui en fournir aucune. Ce sera un véritable régal, brave Jean. Là, un bisou. Voilà. Mais non, mais monte. Monte. Voilà, monte. Monte encore. Hop là. Petite montée sexuée. Voilà, très bien. Petite mission d'aide. Borgu le creveur d'yeux. On va lui filer un coup de main. Après tout, c'est gratuit. Vous croyez sur parole les autres ourous qui se disent forts ? Mais moi, je dois le prouver en tuant des gules. Shrak de Shrak. C'est logique, c'est normal, ça fait sens. Boum ! Tac ! C'est réglé. C'était rapide. Efficacité éclair de la part du Lennon. Et sur ce, chers amis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans l'ombre du Mordor. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, respectons-nous. Ces gens ne me respectent pas. C'est fou, hein. C'est terrible. De nos jours, il n'y a plus de respect. Il y a même un Karagor sur le terrain qui est reparti. On ne sait pas où il est reparti. Il y a des ninjas, des orques ninjas. J'avoue que la situation part en sucette. Ah, il m'a touché. Je peux pas faire mon exécution, c'est pas grave. C'est pas grave. Petit combat de fin, hein, avec mon épée qui a pris feu. Bien sûr, parce que sans ça, ce serait moins drôle. Je vais te briser. Et boum! Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à
la prochaine, c'est ça qui est bon, sur l'ombre du Mordor. Et même lui, regarde. Même lui, il est beau, hein. Purifié. C'est ça qui est bon.